C'est à cause de l'étoile filante. Alors tu n'aurais pas dû m'embrasser, tu aurais dû faire un vœu. C'est pareil. Nous n'avons vu qu'une seule étoile. Mais la soirée n'est pas terminée, il y en aura d'autres. Comment ? Il en passe des quantités pendant la nuit. En ville, on les voit mal et on en profite bien mieux ici. Oh non, tu as mal compris. Je parlais des étoiles, je ne parlais pas de oui, toi. Oui, bien sûr. Oh, non, tu te fais des idées, Angélie. Mon nom n'est pas Angélie. Mon nom est Anne. Anne tout court. Tu sais, j'ai cru un instant que ton histoire d'étoile était encore un des mensonges que tu emploies pour embrasser les filles. C'est faux, je t'assure. Anne, je te demande de me croire, je n'ai jamais amené d'autres filles ici. Tu me le jures? Sur ma vie. Je suis peut-être folle, mais j'ai envie de te croire. Il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Celle-là, elle n'est pas tombée loin. Dépêchons-nous, on la trouvera peut-être. Tais-toi donc, tu me casses les oreilles. Hé, va coucher, va. Je suis persuadée qu'elle est tombée de ce côté-ci de la colline. C'est peut-être le même phénomène que la foudre. On a quelquefois l'impression qu'elle tombe dans le jardin et en réalité elle tombe à des kilomètres de chez nous. Je suis persuadée que le point de chute est près d'ici. Veux-tu que nous fassions le tour de la colline par l'autre route? Non. T'es gentille. Mais je t'ai bien assez embêté comme ça pour ce soir. Mais... Tu dis n'importe quoi. Alors, je te propose de retourner en ville et d'abandonner les recherches. J'essaierai de me faire pardonner avec un sandwich. Et c'est moi qui paye. T'es d'accord? Absolument d'accord. Attention, Steve!
vieil homme. Oh, aidez-moi. Mais où est-il? Alors, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Emmenez-moi, j'ai le docteur. Qu'est-ce que vous avez? Cette chose sur ma main. Je vais vous l'enlever. Non, non, vous ne pourrez pas. Bon, alors, venez dans la voiture. Alors, allons, ça va s'arranger. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, montez et allongez-vous. Tenez, mettez mon blouson. Nous allons vous emmener tout de suite chez le docteur. Espérons qu'il sera chez lui. Allô, Madame Porter? Ici le docteur Allen. Je pars tout de suite. Oh, sûrement demain soir vers minuit, pas avant. Non, je n'ai rien oublié, soyez tranquille. Je serai très prudent. Oui, je sais, Madame Porter. Et pendant que je serai parti, soyez gentil de surveiller la maison. Merci. À demain. Encore un touriste qui joue le champion. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un touriste, c'est Steve. Mais non. Non, non, je crois qu'elle a raison. En tout cas, c'est sa voiture. Eh ben, il va voir qui est le plus fort. Attention à votre main. Cet homme est blessé, docteur. Amenez-le ici, je vais prendre soin de lui. Faites attention à la marche. Non, entrez dans mon cabinet. Et de quoi souffre-t-il? Là. Je ne sais pas, docteur. Il a quelque chose de bizarre sur la main. Bah, expliquez-vous. Eh bien, nous l'avons ramassé au bord de la route, dans la colline. C'est votre voiture qui l'a renversé? Non, il était debout en plein milieu de la route et il s'est couché en criant qu'il avait mal à la main et qu'il voulait un docteur. Je vais l'examiner. Alors, courage, mon vieux. Il ne faut pas avoir peur. À votre avis, qu'est-ce qu'il a à la main? Oh, je n'en sais rien. Ça ressemble à une espèce d'énorme cloque en gélatine. Allons, du calme. Allons, soyez raisonnable. Ben, il faut bien que je vous examine. C'est devenu plus grand. Il n'y avait que sa main qui était couverte, pas son bras. Mettez-lui cette couverture. Je vais lui donner un calmant. Je vais vous faire une piqûre. Vous ne sentirez absolument rien. Steve, est-ce que vous le connaissez? Hein? Je vous ai demandé si vous le connaissiez. Ah, non, non. Voilà. Ne bougez pas. Là. Steve. Oui. Pourriez-vous retourner où vous avez trouvé cet homme? Il faut absolument que nous sachions ce qui lui est arrivé. Ah oui. Bien, allons-y. Steve, s'il vous plaît. Voulez-vous éteindre la lumière extérieure? Je préfère ne pas être dérangé pour le moment. Oui, docteur. Vous pouvez compter sur moi. Vous avez à me parler, peut-être. Merci. Toutes mes félicitations. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Il est gonflé. Non, il est modeste. Botch, vite, la couronne.
Je renonce à comprendre. Le champion local vient d'être battu par toi. Tu devrais t'en souvenir, tu l'as doublé tout à l'heure. Je vois. C'est ça. C'est très gentil à vous, mais vous pouvez garder vos lauriers. Hein? Au revoir. Non, 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 attends une minute, ce serait trop facile. Quand on est devenu un champion, on n'a pas le droit de renoncer. On est obligé de donner une chance à son prédécesseur. Tu parles de toi? Qu'est-ce qu'il raconte? Jamais j'ai parlé d'une course. Écoutez, j'ai passé un très bon moment, seulement je suis très pressé. Oui, on s'en est déjà rendu compte. Puis on va être inquiète de savoir sur les routes, t'es tellement imprudent. Écoutez, c'est très sérieux, je n'ai pas le temps de vous prouver si vous avez raison ou tort, c'est clair? Mais qu'est-ce qui te demande de prouver quoi que ce soit? J'ai pas peur de ta voiture de vieux, je suis sûr que je te battrai même en marche arrière. C'est pas une voiture que t'as, c'est un veau. Je te fais le pari qu'on te ridiculise. Alors? Je tiens le pari. Yaha! Voilà ce qu'il fallait dire. Et on fera ce que t'as dit, Tony. Qu'est-ce que j'ai dit? En marche arrière. Hein? T'as dit que tu battrais cette voiture de vieux en marche arrière. Le premier qui arrive de l'autre côté du feu. C'est ça. Tu donnes le départ. D'accord. Vas-y! Désolé, jeunes gens, il faut que je m'en aille. Ah, 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 il faut pas passer au rouge. Steve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle blague? Bonsoir, Dave. Et qu'est-ce qui se passe? Hein? Je crois que c'est plutôt à moi de te demander ça. Alors, j'attends. Ah, nous, on attend que le feu passe au vert. Ah, tu parles sans doute de la signalisation qui est là? Hein? Tu trouves ça drôle de rouler du côté gauche de la route? Ça, alors c'est idiot, oui, bien sûr. Tu trouveras ça drôle aussi quand ton père et quand le père d'Anne apprendront que je vous ai fait boucler pour conduite imprudente. Sois gentil, laisse nos pères en dehors de ça. Je le ferai plus, je le jure. Tu parles de quoi? Hein? Tu ne feras plus quoi? Ouais, est-ce que tu me reproches d'avoir fait? Par exemple, de conduire à gauche de la route? Oui, peut-être. Et même peut-être de conduire en marche arrière. Ah là, t'as une idée de génie. Sais-tu que les statistiques sont formelles? Il y a toujours plus de gens blessés à la figure dans les accidents. Alors, en Australie, ils ont des avions énormes et les sièges sont installés à l'envers de la marche, de façon à ce que, s'il y a une collision, les gens n'ont pas de marque sur la figure. C'est pas drôle, hein? Bon, boucle-moi. Mais alors, c'est vrai, tu roulais à gauche. Pourquoi? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de vous? Je n'ai aucune envie de vous envoyer en tôle. Je recommencerai plus, Dave. Je plaisante pas. Hein? Tu peux me croire, je te donne ma parole. Et toi aussi, Anne? Hein? Oui, bien sûr. Ah ben, tu vois. Si jamais je t'y reprends... Mais non, puisque tu as ma parole d'honneur. Non, non, je blague pas, sois tranquille. Allez, foutez le camp. Il les a laissés partir. Hé, hey, Steve! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le sergent Burt? Non, heureusement pour moi, c'était Dave. Ça, tu crois pas si bien dire. Pourquoi, il y a eu du nouveau?
Bon, on a frôlé le drame. Sans blague, raconte. Hier soir, on aperçoit la voiture de Giggs devant la porte de chez Nancy. Écoute, ça vaut le coup. Tous les trois, on décide de changer de place pour faire une blague à Giggs. Alors on se met à la pousser de l'autre côté du carrefour. Et tout d'un coup, on voit s'amener le sergent Burt. Alors Butch a une idée de génie, il lui dit qu'on est en panne, que le démarreur est coincé et qu'on s'excuse. Mais il nous dit, ça m'est égal, vous êtes en train de bloquer la circulation, vous êtes mal rangé, mettez-vous dans les trottoirs. Et alors le voilà qui descend de sa voiture et qui se met à nous aider. Tu vois d'ici Burt en train de pousser la voiture de Giggs. Et tout d'un coup, Giggs sort de la maison affolé. Et on entend qu'il crie, qu'est-ce qu'ils volent ma voiture? Ah, j'ai cru que Burt allait en perdre son dentier. Bah, on lui en aurait remis un plus beau. Crois-moi, si Giggs n'était pas intervenu pour nous, en ce moment, on serait au poste. Ah, bah, je crois qu'on a intérêt à ne pas tomber sur Burt ce soir. Hein. Et toi, tu t'es débrouillé comment avec Dave? J'ai eu droit à un sermon et j'ai promis d'être bien sage, c'est tout. Au fond, c'est un brave type. On lui en fait voir de toutes les couleurs, mais il nous a encore jamais emmené au commissariat. Oui, ça, on peut le dire, qu'on lui en a fait des acrobaties dans son district devant chez le docteur. Oh, j'allais oublier. J'ai quelque chose à faire pour le docteur. Quoi donc? Il faut que j'aille dans la colline me renseigner sur quelqu'un. Vous venez avec nous? Non, pas maintenant. Nous, on va se payer une toile. La séance est commencée? Non, on va à la séance de minuit. Ah, il paraît qu'au balcon, il y a beaucoup de spectatrices solitaires qui ont besoin de protection. Vous avez largement le temps de venir avec nous. Vous serez rentré à minuit. Il y en a pour une demi-heure. Bon, ben, allez, venez. Moi, je suis pour. D'accord, tu nous montres le chemin? En route. En route. Robotton, 949791. Le 2236. Allô, est-ce que le docteur Gilpin est là? Docteur Allen. Ah, déjà. Non, je rappellerai. C'est ça, oui. Merci. Docteur Allen, j'ai besoin que vous veniez. Non, je ne partirai que demain matin, j'ai un malade urgent. Non, j'insiste pour que vous veniez. Cet homme a une sorte de parasite très bizarre qui est agglutiné à son bras. Cette matière lui ronge les chairs et j'envisage une opération. J'ai besoin que vous soyez là si je dois l'amputer. Non. Non, je ne sais pas ce que c'est et je n'en connais pas la composition. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un trou. Ah oui, c'est un trou. On dirait qu'il a été fait par une bombe. On doit pas être loin des premières lignes. Hein. Crétin. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette lanterne? C'est curieux. Qu'est-ce que c'est, Steve? C'est chaud. Hey, méfie-toi. C'est peut-être un morceau de l'étoile filante. Alors, on l'a vu, nous aussi. Elle était formidable, on aurait dit une fusée, dis donc. Bon, il doit y avoir une heure environ. Tu crois que ce serait ça? J'en sais rien. Donne. Oh, dis donc. Un vrai morceau de ciel. Attrape, Butch. Tu crois vraiment que c'est un petit bout de planète qui aurait tourné des siècles autour de l'univers? Elle était probablement aussi grosse que la Lune au départ du voyage. C'est fantastique. Laisse-moi voir, Butch. Alors, c'est tout ce qu'il en reste. Ouais, pour l'instant, en tout cas. Il y a une maison qui doit être tout près d'ici. Oh, c'est pas un bruit de maison, c'est un bruit de chien. Viens, Steve, allons voir. Mais oui, je viens. Anne, attends-nous. C'est vrai, il y a une maison. C'est plutôt rustique. Tu crois qu'il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Ça a l'air vide. Je vois personne d'autre qu'un petit chien. Steve, ouvre la porte et laisse-le sortir. Ouais, d'accord. Allez, viens, bonhomme, viens. Viens, allez. N'aie pas peur. Allez, viens, mon toutou, viens. Pauvre bête, il a l'air terrifié.
Ah non, il n'y a personne. Pauvre petite bête, c'est sûrement le chien du vieux monsieur. Allez, viens. Tu crois que c'est sa maison? Bah, en tout cas, ça en a l'air. C'est chouette d'habiter là, c'est calme comme coin. Pas de voisins, pas de radio, ni de route, ni de lumière. On va rater le film, si on traîne encore. Et dépêchons-nous, il est tard. Viens, Buck. Qu'est-ce que t'attends? T'as vu tout ce qu'il y avait à voir, hein? Ouais, ouais. Ouais, je crois que t'as raison. Et viens avec nous au cinéma, c'est un film d'horreur. C'est chouette, tu sais. Non, vous êtes gentil. Mais quand est-ce que tu comprendras que ça sert à rien de prendre les choses au sérieux? Si tu continues, tu seras vieux avant l'âge. Écoute-toi un peu. C'est vrai, je t'ai fait comme moi, détends-toi, regarde. Nous gagnons, vous rejoint au cinéma tout à l'heure. Alors, vous venez, oui? Ouais, ouais, voilà. Steve? Oui? Qu'est-ce qu'on fait pour le chien? J'en sais rien. Si on l'abandonne ici tout seul, cette pauvre bête va mourir de faim. Je te vois venir. On pourrait l'emmener avec nous? Bien sûr, ça fera plaisir à son maître. On part, allez, viens. Bonsoir, Kate. Merci d'être venue. Mais c'est normal. En quoi puis-je vous être utile? Commencez par contrôler son pouls, mais ne touchez surtout pas à la matière qui couvre sa main droite. Elle absorbe les chairs au moindre contact et les dissout comme un acide. Docteur? Où est le patient? Que voulez-vous dire? Ne bougez pas. Restez où vous êtes. L'homme a dû être absorbé par cette masse. J'ignore ce que c'est, mais il faut la détruire pour arrêter sa progression. Oh, docteur, j'ai peur, c'est effrayant. Tenez-vous le plus éloigné possible et faites ce que je dis. Je vous en prie, du calme. Maintenant, écoutez. Sur l'armoire, derrière vous, prenez le flacon d'acide chlorhydrique. Ouvrez-le. Et ensuite? Jetez le contenu sur la masse. Attention à vos mains. Docteur, ça ne marche pas. J'ai un fusil, accroché au mur à côté. Il faut que j'aille le chercher. Restez où vous êtes, j'en ai pour une seconde. Non, restez, docteur, j'ai peur. Docteur, au secours, elle avance vers moi. Kate! Kate, où êtes-vous, Kate? Docteur et lui dire ce que nous avons trouvé. On dirait qu'il n'y a plus personne. Ouais, en effet. Il a peut-être emmené le vieux à l'hôpital. Attends-moi là, je reviens tout de suite. J'ai quand même regardé dans le garage si la voiture est encore là. Oui. Steve, qu'est-ce que tu as? Tu es tout pâle. Papa!
ce qui s'est passé. Non, je ne peux pas. Explique-toi, je t'en prie. Non, c'est trop horrible. Oh, Steve, qu'est-ce que tu as vu? C'était le docteur. J'ai vu cette chose. Mais dis-moi ce qui s'est passé. C'était comme ce que le vieux avait sur son bras. Seulement, c'était encore plus grand et puis ça a recouvert sa tête. Et ensuite, en quelques secondes, le docteur disparut. Disparu? Il n'y avait plus que cette chose. Et plus rien d'autre. Le docteur avait disparu. Je ne sais plus ce que mais tu si dis. Je te dis que. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pardon, Ron. Allons-nous-en. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au commissariat. C'est eux que ça concerne. Non, non, vous avez très bien fait d'appeler, Madame Brown. D'ailleurs, nous sommes là pour ça. Mais je suppose que vous avez un verrou sur la porte de votre cave. Non? Où sont les agrafes? Dans ce cas, c'est la première chose à faire si vous ne voulez pas tenter les rôdeurs. Entendu, Madame Brown. Oui, oui, oui. Oui, nous vous enverrons quelqu'un. Tiens, tiens. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça, Richie? Attention, Dave, les dérange pas. Alors, t'es joueur et je ne le savais pas. Tu joues aux échecs en cachette? Tu n'es pas le seul à être intelligent. Chaque fois que je te le dis, tu refuses de le croire. Oh, c'est rien, ça aide à passer le temps. Ah, mais non, c'est un jeu passionnant. D'ailleurs, il paraît que c'est difficile. Tu ne joues pas tout seul. Non, mais quand je suis de garde et que je m'embête, je téléphone. J'ai des correspondants en ville et... Bah, on finit par s'encrouter dans ce métier. Tu devrais aussi te mettre aux échecs pour faire travailler ta matière grise. Oui, je crois que j'en ai besoin. Je pense que tu vas devenir professeur. Quand tu voudras. On commence quand? Dave, le docteur Allen est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué dans sa maison. Accompagne-nous. Attends un peu, dis-moi au moins ce qui s'est passé. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que cette chose a tué le docteur. Quelle chose? Tu n'es pas très clair. Eh bien, c'est comme une sorte de matière informe qui n'arrête pas de grossir. Je t'en prie, Steve, sois plus explicite. Oui, je sais. Je t'assure qu'il faut que tu vois cette chose pour que tu puisses croire ce que je dis. Tu penses peut-être nous faire croire que tu as vu une sorte de monstre? Oui, c'est possible. J'en sais rien. Une seconde. Qu'est-ce qui te prend, Steve? Tout à l'heure, tu conduisais en marche arrière et maintenant tu imagines des monstres. Non, ce n'est pas son imagination, je vous le jure. Ce n'est pas une plaisanterie, je l'ai vu. Accompagne-nous et tu verras que c'est vrai. Tu es dingue si tu y vas, c'est un canular. Il dit que le docteur Allen a été tué. Nous devons y aller. Out. Richie, je te laisse de garde. Dave, je te jure que je dis la vérité. Commissariat Downing Town Est. Downing Town, ici le commissariat de Cornwall Ouest. QAK2. Je répète, QAK2. C'est bien cela? Eh oui. Je réponds KN à KB5. Échec. Le cabinet médical est fermé pour le week-end. Signé Dr. Allen. Attendez, ne soyez pas imprudent. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous ferez si la chose est derrière la porte? Et qui ne risque rien n'a rien. Non, non, je ne plaisante pas, sergent. Docteur Allen. Ouais.
Docteur Allen. Tiens, on dirait que les plombs ont sauté. Tu as ta lampe? C'est là. Oui, c'est dans cette pièce que je l'ai vu pour la dernière fois. C'est fermé. Je vais essayer une des miennes. Inutile, la clé est dans la serrure. La porte a été fermée de l'intérieur. Vous voyez? Il y a quelqu'un? Fais le tour et va voir si la fenêtre est ouverte. Sinon, casse la vitre. Entre et ouvre la porte. J'y vais. Ne laissez pas faire ça, c'est de la folie. Oh, sois tranquille. Bird saura se défendre si l'occasion s'en présente. Et puis c'est le seul moyen de savoir ce qui s'est passé ici. Je vais essayer de trouver les plans. Mais faites attention. Steve, je me demande où le petit chien a pu aller. Oui. Tu crois qu'il a essayé de retrouver son maître? Mais peut-être. Ah, c'est moins sinistre. Voilà ce qui a dû faire sauter les plans. Jim, c'est toi ? Eh ben, elle est dans un drôle d'état, cette pièce. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ici? Non, pas exactement. Tout ce que je peux affirmer, c'est que le docteur était près de cette fenêtre. C'est baratin, tu ferais mieux de dire la vérité si tu veux pas avoir d'ennui. Je sais rien d'autre. Ta mémoire a des trous au moment propice, c'est ça? Pas du tout. Est-ce que tu es sûr que le docteur était dans cette pièce? Oui, absolument sûr. On a tiré avec ce fusil. Pourtant, je n'ai aperçu aucune trace de balle. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Toi et quelques copains, vous avez décidé de faire une bonne blague à la police. Alors vous êtes entrés ici pendant l'absence du docteur et vous avez tout mis en l'air pour faire... Non, là, tu vas trop loin. D'ailleurs, ce ne serait pas logique. Tu l'as constaté toi-même. La fenêtre était fermée de l'intérieur ainsi que la porte. Ils ont pu les fermer du dehors avec un fil pour nous faire passer pour des imbéciles. Pour avoir cet air-là, vous n'avez besoin de personne, sergent. Steve... Vous êtes combien à avoir vu ce que tu as vu? J'étais seul. Parle-moi de tes amis, ceux qui étaient plus loin derrière toi pendant que je te parlais sur la route. Tu es fou, ces gosses n'ont rien à voir avec ça. Tu connais leur nom? Bien sûr, c'était Tony Grisette et puis Butch Miller. Ce sont tous des voyous, c'est pas la peine de se creuser la cervelle, ils inventeraient n'importe quoi pour que la police se couvre de ridicule. Mais cette fois-ci, ils ont été trop loin. Qu'est-ce qui se permet d'entrer ici la nuit? Oh, oh, Dieu du ciel! Qu'est-ce que vous faites ici à une pareille heure, Madame Porter? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ben, le docteur sera pas content de trouver un chantier comme ça. Pour où est-il parti? Dites-moi la vérité, c'était des cambrioleurs. On n'en sait rien encore. Où est le docteur Allen? À Johnsonville, tous les mois, il y a une réunion de médecins. Ah, je lui ai dit qu'il faisait tout pour que les cambrioleurs puissent pénétrer chez lui. Avec cette manie qu'il a tout laissé ouvert, quoique cette fois-ci, c'est un peu ma faute, je l'avoue. Eh oui, il m'avait demandé de veiller sur la maison. Mais je t'assure que c'est faux, Dave. Il n'a pas quitté cet endroit. Je n'ai pas le plaisir de connaître ce monsieur. Oh, je vous présente Steve Andrews, Madame Porter. D'après lui, le docteur aurait été attaqué dans sa maison ce soir. Non, lieutenant. Le docteur n'est au courant de rien de ce qui s'est passé ici. Juste avant de partir, il m'a dit au revoir au téléphone. Je sais qu'il est resté ici. Écoute-moi, je te parie que sa voiture est encore au garage. Bah, c'est possible. Le docteur n'aime pas beaucoup conduire. Il part souvent avec son collègue, le docteur Gilpin, qui vient le chercher de Grover Town. Jim. Appelle le docteur Gilpin. D'accord. Il sera pas là, le pauvre homme. On ne sait jamais. Madame Porter, avez-vous entendu des coups de feu ce soir? Oh, ça oui, alors, comme tous les autres soirs, d'ailleurs. Les gens qui habitent en bas regardent tous les jours des films de gangsters à la télévision. Il y a tout le temps des coups de feu, des bagarres, si vous croyez que c'est bon pour la jeunesse. Ils sont pas très soigneux, vos cambrioleurs. Ils auraient quand même pu faire attention.
Quel travail, je vais être obligée de m'appuyer. Une minute, Madame Porter. Oh. Personne ne doit toucher à rien. Ah non, je veux pas que le docteur trouve sa maison demain soir dans un pareil désordre. C'est bien assez que la fenêtre soit en morceaux. Mais enfin, Madame Porter, tant que l'enquête n'est pas... Écoutez vos hommes et vous faites votre travail. Et le désordre, ça me regarde. Je vous rappelle qu'il y a un criminel qui se promène dans la nature en toute liberté. Allez donc vous en occuper et pendant ce temps-là, je mettrai de l'ordre. Madame Porter, essayez de comprendre. Le laboratoire doit venir relever les empreintes digitales. Le docteur Gilpin est allé à Johnsonville. Est-ce qu'il est passé prendre le docteur Allen? Je l'ai demandé à Madame Gilpin. Elle a dit que le docteur Allen lui a téléphoné aux environs de 11h du soir, juste après le départ de son mari. Mais à son avis, ils ont fait route ensemble. Où est-ce qu'on peut les toucher à Johnsonville? Elle n'a rien dit à ce sujet. Ils descendent toujours à l'hôtel Saint-John. En cas d'urgence, c'est là qu'on doit les joindre. Johnsonville est à 200 km. Il devrait y être dans 2h30 environ. Bon, laissez-leur un message pour qu'ils rappellent dès leur arrivée. Lieutenant, laissez-moi nettoyer un peu juste autour des empreintes. Non, pas ce soir. Oh. Allez, on s'en va, les enfants. Dave, je te jure qu'elle fait erreur. La comédie a assez duré, la fenêtre fermée du dedans, c'est une brillante idée, mais ça suffit. Et le coup de la porte aussi est éventé. Si les choses se sont passées selon ta version, où est le docteur? Et où est cet homme malade? Et où est le méchant, méchant monstre? Je n'en sais rien du tout. Passe-moi le marteau, s'il te plaît. Pourquoi tu finis pas le boulot demain? Demain, je serai pas là, je serai à la chasse. Je savais pas que t'étais chasseur. Moi non plus, c'est tout récent. On a loué une sorte de cabane en montagne et j'y passe les week-ends avec des amis. Et on n'en manquerait pas un pour un empire. On prend des bitures insensées. Et crois-moi, j'ai l'intention d'être tellement rond cette fois que... Ah, je te fais le pari que je pourrais plus marcher droit. Bah pourquoi tu viens pas avec nous? Ah, ça te ferait du bien. Je crois pas que ça ferait plaisir à Martha. T'as pas besoin de lui dire. Raconte-lui que ton oncle est malade. Et dis-lui que 2 jours de séparation rendront les retrouvailles encore plus agréables. Au revoir. Bah, je suis sûr qu'elle te croira. Eh, hey, dis donc, parce que j'en ai marre, moi, de regarder les voitures par en dessous. J'avale tellement de graisse que quand j'éternue, eh ben, je fais des taches de gras sur les murs. Oh, mais tu sais, Marty, si je me taillais pas dans la montagne comme ça le samedi, eh ben, je tomberais malade. Je vais te dire une bonne chose. Si le patron me regarde de travers lundi, avec la gueule de bois que j'aurai, je prends la porte et je m'en vais. Tu m'entends? Non, ce gros plein de soupe, c'est nous qui faisons tout le travail. Pas vrai, Marty? Hé, hey, réponds-moi. Écoute, Steve, avoue que je suis de bonne composition. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes et pourtant il faut que je tire cette histoire au clair. Je sais, seulement je voudrais savoir pourquoi tu as convoqué nos parents. Bref, téléphone pourquoi? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Tu pourrais au moins me laisser le temps de te prouver ce que j'avance. Il y a longtemps que tu me connais et tu sais très bien que ce n'est pas moi qui ai tout cassé chez le docteur Allen. Tu le sais très bien. Je veux bien te croire, mais je suis certain que tu me caches quelque chose. Oh, Dave. Allô? Oui, j'écoute. Ah, te voilà, Anne. Est-ce que je peux te demander de m'expliquer ce que tu as fait? Tout va bien, papa, calme-toi. Tout va très bien, c'est vrai. J'ai toujours eu l'habitude de passer chercher ma fille au poste au milieu de la nuit. Est-ce que tu te rends compte de ce que les gens vont dire de moi demain matin? Tout le monde va en faire des gorges chaudes. C'était notre devoir d'avertir la population. Avertir qui de quoi? Tu ne m'as rien dit et je suis proviseur du collège. Jeune homme, je vous avertis que je n'admettrai plus que ma fille sorte avec vous. Tu es injuste, il n'a rien fait de mal, je t'assure. Ah, monsieur Ambrose, j'espère que vous tirerez quelque chose de votre fils, moi je n'arrive à rien. Soyez tranquille, monsieur Martin, nous allons éclaircir ce mystère. Tu vas bien, fiston? Papa, j'ai assisté à un événement horrible ce soir. Et tout le monde pense qu'il invente. Au revoir. Monsieur Martin, monsieur Ambrose, bonsoir. On a pénétré chez le docteur Allen cette nuit et des vandales ont démoli la porte ainsi que la fenêtre. Steve et Anne semblent savoir pas mal de choses. Ma fille serait mêlée à cette histoire? Je suis certain que nos enfants n'ont rien à se reprocher, lieutenant. J'espère que non. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils étaient près de la maison du docteur et qu'ils ont vu quelque chose. Mais nous ne les accusons pas de ce que nous avons découvert. Nous ne saurons rien de plus précis tant que nous n'aurons pas contacté le docteur Allen qui s'est rendu à Johnsonville. Il s'agit d'autre chose que de vandalisme. Le docteur Allen a été tué, je l'ai vu quand il a été attaqué par une espèce de forme monstrueuse. J'en suis sûr, parce que j'y ai assisté. Lieutenant, je veux que vous sachiez que Steve ne nous a jamais raconté des histoires. S'il vous dit qu'il n'a pas été mêlé à l'effraction, vous pouvez le croire. Est-ce que vous étiez là aussi, Anne? Eh bien... Non, j'étais restée dans la voiture. Bon, ce sera tout pour l'instant. Nous en saurons davantage demain quand nous aurons appelé le docteur à Johnsonville. Je crois que le mieux, à l'heure qu'il est, c'est que nous rentrions tous dormir chez nous.
Très bonne idée. Nous pourrons en parler à la maison tranquillement. Oui, papa. Viens, mon garçon. Tâche de sortir de chez toi, je t'attendrai à côté du mur dans une heure. Bert a peut-être raison, tu sais. Il pense que c'est une plaisanterie organisée par les étudiants, comme ils en ont déjà fait l'année dernière, tu t'en souviens? Je me rappelle qu'ils avaient été mettre un caleçon à la statue du général Hayes. Non, là, il s'agit de toute autre chose. Mais alors, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas ces deux jeunes gens ce soir? Non, c'est pas la peine, nous en saurons davantage demain, puis ils ne disparaîtront pas d'ici là. Eh bien, si Bert était à ta place, il serait déjà en train de les cuisiner depuis longtemps. Ce n'est pas ma façon d'agir. Allô, police, j'écoute. Une seconde, c'est Burt. Allô? C'est toi, Dave? Oui. J'ai questionné les voisins. Deux d'entre eux ont cru entendre des coups de feu, mais ils n'affirment rien. D'accord, Jim. La maison du docteur est fermée? Oui. Reviens au poste, alors. On saura la vérité, même si on doit questionner les deux mômes toute la nuit. Je les ai renvoyés chez eux. Tu les as renvoyés? Mais t'es fou! Jim... J'exige qu'on ne fasse rien avant demain, t'entends? Oui, chef. C'est un ordre? Oui, c'est un ordre. Alors, Burt a son idée sur l'affaire? Les idées qu'a Burt n'ont aucun intérêt. Il agit toujours comme si nous étions en guerre. Ce n'est pas un crime d'avoir moins de 20 ans, mais lui, il en est persuadé. Tout ça parce que sa femme est partie avec un jeune de 19 ans. Bon, d'accord, je ne sais pas ce que ces deux-là ont essayé de manigancer. Mais je me refuse à les arrêter et à les mettre dans une cellule comme des vagabonds. Demain, nous reprendrons l'affaire calmement. Et puis nous sommes sûrs que les parents les surveilleront d'ici là. Anne, où est-ce que tu vas? Chut. Tais-toi, Dani. Chut. Je veux savoir où tu vas. J'ai quelque chose de très important à faire. C'est un grand secret. Oh, je dirai rien à personne. Je veux aller avec toi. Oh non, chérie, c'est impossible, je dois y aller seule. Tu vas rester longtemps dehors, dis. Oui, assez longtemps. T'es une fille, je suis sûre que tu vas avoir peur toute seule dans le noir. Oui, c'est possible, mon chéri. Si je vais avec toi, je serai tes femmes. Je suis un grand garçon. Oh non, Dani, tu as un travail important à accomplir. Tu dois rester et garder maman ici. Il n'y a pas qui la garde. Il est grand, lui. Écoute, tu vas aller dans ta chambre tout de suite. Et si tu dors bien sagement, je te promets de te faire cadeau d'un joli petit chien qui sera toi tout seul. Un vrai chien? Juré? C'est juré, tu as ma parole. Enfin alors, c'est chic. Maintenant, va vite te coucher. Il a un nom, le chien? Non, tu l'appelleras comme tu voudras. Je veux qu'il s'appelle William. C'est un nom qui lui va très bien. Allez, va dormir et n'oublie pas notre secret. Au revoir. Non, c'est pas un joli nom, William. Peux-tu aller te coucher? Tu m'as fait une de ces peurs. Mais pourquoi est-ce que tu es venue? Je t'avais donné rendez-vous près du mur chez toi. Ne te fâche pas, mes parents sont couchés tout de suite. Alors je suis venue te chercher. Ouais, ne restons pas là.
Écoute, je suis désolée, je... Oh, excuse-moi, je suis très nerveux. La moindre des choses serait que je te remercie d'être venu me rejoindre. Non, j'ai envie de t'aider, c'est tout. Je me pose tant de questions que je ne sais plus où j'en suis. N'oublie pas que je suis mêlée à cette histoire autant que toi. Tu peux être tranquille, je te soutiendrai jusqu'au bout. Oui, je te remercie. Je commence à douter de ce que j'ai vu. Je sais que nous avons rencontré ce vieil homme. Je sais que nous l'avons emmené chez le docteur et je sais que le docteur nous a envoyé voir ce qui s'était passé. Oui, c'est vrai, je le sais, j'étais là. Et je sais que ce vieil homme m'a fait sur la main une sorte de matière qui grossissait. Et qu'on ne pouvait pas lui enlever. Tout ça est vrai? Et ensuite, je crois que j'ai vu le docteur debout tout près de sa fenêtre. Je le crois. Il avait l'air de vouloir s'échapper. Seulement, il était recouvert par cette chose. Une seconde après, il ne restait rien de lui. Je crois avoir vu tout ça. Je suis persuadée que c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont de bonne foi et qui croient avoir vu des choses irréelles, des soucoupes volantes, entre autres. C'est une sorte de mirage dû à leur imagination. Si je pouvais être dans leur cas, cette nuit serait une nuit comme les autres. Nous rentrerions tous les deux à la maison et demain nous pourrions rire de nos cauchemars en regardant le soleil. Rien ne serait changé. Je voudrais que ce soit vrai. Es-tu vraiment certain que tu as vu ce que tu racontes? Oh, je n'en sais rien, je t'assure. Je sais que tu dis la vérité. Seulement peut-être que tu aimerais mieux ne pas avoir été le témoin de ces événements. Et moi qui te connais très bien, je sais que tu n'es pas le genre de personne à fuir la responsabilité d'une vérité que tu connais. Je n'en sais rien. Je suis sûre que tu as vraiment assisté à l'accident du docteur Allen. Anne, comment en es-tu sûre? Parce que j'ai vu ta réaction. D'accord. Ça ne simplifie pas les choses. Puisque tout le monde pense que je mens, comment les persuader de les protéger? De toute façon, tu dois essayer. Et qui sait, peut-être que tu pourras bientôt leur apporter une preuve qui les mettra devant le fait accompli. Tu as raison. Il n'y a pas 36 moyens. La seule façon de leur faire voir clair, c'est de retrouver la chose en question. Je vais sortir la voiture. Tu es sûr que tu veux venir avec moi? Oui. Je ne sais pas si la chance sera avec nous. Nous allons partir pour essayer de trouver cette preuve et si nous la trouvons, elle peut nous tuer. Si seulement quelques personnes pouvaient nous aider. Qui? Pourquoi pas tes amis Tony, Butch et Al? Oui, tu as raison. Allons les voir. Oui. Je suis le démon, seul possesseur de ton âme. Frémis car je viens te chercher. Nul ne résiste à mon pouvoir. Tu vas sortir de ta tombe et tu vas suivre ton maître vers le monde des ombres dont je suis le roi. J'ai tant attendu l'heure... Tony, il faut que je te parle. Tiens, te voilà. Je croyais qu'Anne et toi, vous étiez contre les films d'horreur. Tony, c'est très important. Viens, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui se passe? Chut. Je t'expliquerai dehors. Viens avec moi. Tu as manqué le meilleur. Tu ne comprendras rien à l'histoire. Il ne sera pas le seul. Ils espèrent nous pourrir la soirée.
Je vous en supplie, essayez de comprendre, nous avons besoin de vous. Si vous voulez parler, allez dehors ou je vous fais sortir. Dépêchez-vous. Ah, tu crois au Père Noël? Bon, on y va les enfants, l'amitié c'est sacré. Comptez pas sur moi, je suis cloué à mon fauteuil. Enfin, tant pis. Allez, plus vite, Butch. Tiens. Bon, allez, ça suffit, on n'est pas au collège. Alors, Steve, qu'est-ce qui se passe? On est là, explique-toi. Dans quel coup fourré tu t'es encore mis? Tu sais que si c'est pas marrant, tu nous rembourseras le prix des places. Est-ce que vous allez me prendre pour un fou si je vous dis que le morceau d'étoile qu'on a trouvé contenait un truc dangereux? Une matière qui pourrait détruire toute la ville. Et vos gueules, abruti! Continue, Steve. J'ai vu cette chose tuer le docteur Allen ce soir. Ouais, nous prendrons... Il est dans la barre, non? Je vous jure que c'est la vérité. Mais quelle chose? Une chose. Mais si cette chose a causé la mort du docteur Allen, il n'y a aucune raison qu'elle ne tue pas d'autres gens. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais vous le dire. Il faut retrouver cette chose et faire comprendre à la population qu'elle existe. Toujours pas de nouvelles des docteurs? Richie, demande la communication avec Johnsonville. Bon, tout de suite. Je viens de voir un truc pas banal. Ah oui, raconte. Sur le chemin du retour, le propriétaire du bar au coin de la deuxième rue est venu me parler et m'a demandé de venir avec lui à l'endroit en question. Il venait d'y passer pour relever les comptes. Et l'endroit était vide. La télévision marchait à toute barre, la caisse était grande ouverte et pleine de fric, rien n'était rangé. Il n'y avait personne. Oui, c'est ça. Pas d'employé et pas de client. Oui, j'attends, merci. J'irai jeter un coup d'œil avant d'entrer. Non, je pense que c'est inutile. Est-ce que le docteur Gilbert ou le docteur Allen sont là? Pourquoi tu ne vas pas te reposer, Dave? Tu es debout depuis 6 heures du matin, c'est trop. Ouais, t'as raison. Très bien. Je voudrais savoir où sont ces deux docteurs. Oui, merci beaucoup. Rien de nouveau? Non, ils ne sont pas là. Tu veux que j'appelle les autres hôtels? Il y en a quelques-uns entre ici et Johnsonville. Oh, non, c'est inutile. Toute cette histoire attendra bien jusqu'à demain. Bon, amusez-vous bien. Bonsoir. 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 Entrez, entrez, soyez les bienvenus. Monsieur, nous sommes venus vous prévenir d'un danger. Oui, il faut nous croire. Il y a une sorte de monstre et nous devons absolument avertir la population. Voilà un genre de... Non, mais c'est sérieux. Qu'est-ce qui vous envoie? Hé, les amis, écoutez ça, c'est la meilleure. D'abord, il faut que je vous présente notre ami le dompteur de monstres et sa femme la dompteuse de monstres. Ils sont venus nous avertir d'un danger. Ils sont mignons tout plein, non? Allons nous en. Ça part d'un bon sentiment. Excusez-moi, nous cherchons un monstre. Un monstre ici? Vous avez sûrement passé la soirée avec le gars qui tient le bar de la deuxième rue. Je sais pas quel genre de liqueur on leur sert dans cette tôle. Ça doit être un fameux mélange, croyez-moi. Écoutez, nous essayons de vous expliquer que nous cherchons... Ah, vous êtes encore plus sous que lui, alors n'essayez pas de me baratiner. D'ailleurs, ici, on refuse les mineurs. Où est-il? Là, devant la porte du magasin de ton père. Allez, viens. Oui, viens. Allez. Et voilà. Ah, tiens, c'est curieux. La porte n'est pas fermée. Elle reste ouverte la nuit, quelquefois? Allez, aujourd'hui, on est vendredi. La boutique ferme à 10 heures du soir. Le vieux monsieur Wintermeyer fait le ménage. Et ensuite, il ramasse les cartons vides. Et il ne travaille jamais plus de 2 heures et après, il ferme. Il y a bien longtemps qu'il devrait être rentré. Hey, monsieur Wintermeyer! Monsieur Wintermeyer, vous êtes là? Je vais allumer.
qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi rien. Ah, c'est le balai de M. Wintermeyer et les produits de nettoyage qui se sont répandus par terre. J'ai glissé. Anne, qu'est-ce qui se passe? Anne! Sois raisonnable. Tiens, Messart, tu vas prendre froid et calme-toi. Comment allons-nous sortir d'ici? J'en sais rien. La chose n'est sûrement plus derrière la porte. Il faut que nous sortions. Il ne faut pas lui laisser le temps de revenir. Tu tiens le coup? Oui. Voyez-vous, la chose est là. Tu te moques de nous? Je te dis qu'elle est là. Je voudrais bien que ce ne soit pas vrai, mais elle est là. Elle a attrapé le petit chien. Oh, pas le chien qu'on a ramené. Nous venons de le voir qui courait comme un fou en hurlant. Il était terrifié. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle la police. Ils veulent des preuves. Eh bien, ils vont en avoir. Une cabine téléphonique au coin. Allez, vas-y, courage. Tu vas les appeler, toi.
Mais pourquoi moi? Je suis supposé être à la maison en train de dormir. S'ils me savent dans la rue, ils ne me croiront pas. Il a raison, tiens, voilà, je t'en. Dépêche-toi. Dis-moi au moins ce que je dois leur dire. Demande Dave et dis-lui exactement ceci. Il faut venir immédiatement au magasin Andrews et apporter tout ce que vous pourrez trouver comme arme au commissariat. Allô, ici police, je vous écoute. Dave, qu'il demande? Qu'est-ce que vous dites? Tous les voyous du coin se sont donné le tuyau. Le jour où je tiendrai celui qui a imaginé cette bonne plaisanterie, je jure qu'il la paiera cher. Allô? Allô? Là. C'est pas de chance, je suis tombé sur le bornet. Est-ce que j'aurais lui donné une bonne leçon? Cette patate de beurre? Ouais. Ça, je l'aurais parié. Très bien. On a essayé d'agir dans la légalité. Maintenant, on va réveiller la ville sans s'occuper des... Comment? Explique-toi. T'as une idée, toi? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Il serait temps d'apprendre à ces petits malins que les hommes de la police ne sont pas des pantins. Ce ne sont que des gosses. Des gosses? J'ai rarement entendu un argument aussi idiot. Tous les criminels ont été des gosses au départ. Qu'est-ce que ça prouve? Tu sais ce que je crois? Tout ça, c'est une vengeance contre moi. Contre toi? Oui. Ils savent ce que j'ai fait pendant la guerre et ils m'en veulent. Les jeunes n'apprécient pas les héros, ils veulent m'enfoncer. Ils emploieront n'importe quel moyen. T'es de parti pris, t'as tort de croire ça. Qu'est-ce que c'est? Je croirais le soir du nouvel an. Allô? Non, on n'en sait rien du tout. Allô, ici police, j'écoute. Quelle idée de se mettre tous à klaxonner ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une alerte, Marie. Encore un exercice de défense passive. Quand même, ils auraient pu nous prévenir. Où est mon uniforme? Quel désordre. Voilà. Voilà mon casque. Je connais mon devoir. Quand faut y aller, faut y aller. C'est le devoir de tout bon citoyen. Ça y est, il y a le feu. Voilà qui est très embêtant. À part le casque, j'ai rien à me mettre. Oui. Danny n'est pas dans sa chambre. Quoi? Danny n'est pas dans sa chambre et Anne non plus. Oh. Calme-toi, Elisabeth. J'ai regardé dans leurs deux chambres et il n'y a personne. T'en es sûre? J'en suis certaine. Il peut très bien être au salon. Danny est là. Danny! Qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'être dans ton lit? Toi? Tu veilles sur moi. Et pourquoi est-ce que tu veilles sur moi? Je sais rien, mon... Tout le monde semble être devenu fou dans cette ville. Danny, sais-tu où Anne est allée? Elle a dit qu'elle allait dehors. Je veux savoir ce que signifient tous ces mystères. Oh, assez! Arrêtez les klaxons! Arrêtez les klaxons! Assez, je voudrais du silence! Silence! Écoutez-moi! Je vous demande de m'écouter! Vous êtes tous en danger! J'ai créé tout ce bruit pour me faire entendre de vous! Il y a eu déjà 7 personnes qui ont trouvé la mort au cours de cette nuit! Il fallait que je vous avertisse! Si nous sommes en danger, ça regarde la police! Place, s'il vous plaît. Écartez-vous. Encore. Bon, cette fois, la preuve est faite et c'est en tôle que vous allez finir. Sergent,
Il s'agit de quelque chose de grave et je dois leur en parler, sinon la ville entière va... Je ne sais pas ce que vous et vos copains ont imaginé, mais je peux vous assurer que je vais y mettre de l'ordre. Que veut dire cet attroupement? T'es là, toi? Je t'en prie, écoute-moi, il faut que je leur parle. Je te jure que ce monstre est en ville et il est devenu énorme. Je l'ai vu de mes yeux il y a un instant, dans le magasin de mon père. Ce qui devient surtout énorme, c'est ton histoire. Dave, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui a monté une plaisanterie, idiote? Je n'ai pas envie de rire. J'ai bien trop peur, je suis terrifié. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Je suis sûr qu'il dit la vérité. Dave, réfléchis un peu. Si tu veux te couvrir de ridicule, c'est ton affaire. Mais tu n'as pas le droit de ridiculiser la police ni de semer la panique dans la ville. Vous avez raison, sergent. Ce ne serait pas ta première erreur. Je ne suis pas infaillible. Mais tant que c'est moi qui assumerai la paix dans cette ville, je n'ai pas l'intention de me laisser donner des directives. Et ce que tu as de mieux à faire, c'est d'obéir et de m'aider à ramener l'ordre. Oui, chef. Silence, tout le monde! Silence, je vous en prie! Nous n'arriverons à rien par le désordre. Écoutez, il est exact que nous sommes tous en danger et que tous, sans exception, doivent faire très attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire à l'heure actuelle. À partir de cet instant, la ville est en état d'urgence. Pour organiser votre protection, il est indispensable de dégager la rue immédiatement. Je vous en prie, rentrez dans vos maisons et restez-y. C'est par radio que vous pourrez suivre les indications que nous vous donnerons. Que ceux qui sont ici en voiture manœuvrent avec prudence, ne vous bousculez pas! Rentrez chez vous! Si chacun garde son calme, nous arriverons à maîtriser la situation. Oui, mais... Je suis à ton entière disposition. Lieutenant, j'aimerais être mis au courant. Demandez à votre fille, Monsieur Martin, elle en sait plus que je n'en sais. Phil, est-ce que tes hommes peuvent nous aider à dégager la rue? Bien sûr. Est-ce que tu as des armes? Deux, à la maison. Va les chercher. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du magasin qui leur fait si peur? Je n'en sais rien, mais je m'en occupe, et dans quelques minutes, nous le saurons. Et puisque tu m'as désobéi, toutes les images de tes cauchemars vont se matérialiser. Va mettre ta voiture devant le magasin. Et braque tes phares pour l'éclairer. Oui, oui, tout de suite, en arrière. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est curieux. Il n'y a personne là-dedans, aucune trace de monstre. Dave, ce sont les spectateurs. Ça ne servira à rien. Steve, ne mentait pas, je n'ai jamais rien vu d'aussi affreux. Qu'est-ce que je peux faire, lieutenant? Venez m'aider, il faut tous les évacuer. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? J'allais juste l'attraper. Danny, il faut pas rester ici. Viens avec moi. On ne peut plus sortir par le devant. Dites-moi ce qui se passe. Indiquez-moi où est la porte de secours. Pourquoi vous êtes si pressé? Oh, j'ai peur. Nous sommes recouverts. Mais de quoi vous parlez? Je vous le dirai. C'est quoi ici? Jim, appelle le central et demande-leur de te brancher sur le restaurant. Allez, fais vite. On va sortir et vous verrez. On ne verra rien du tout. Si vous ouvrez la porte, on est tous morts, vous entendez? Et vous avec? Vous êtes complètement... Est-ce que vous voulez être tué? Allô? Oui, nous sommes entièrement recouverts. Steve, attention! Nous allons essayer d'éliminer en faisant tomber un poteau électrique et en faisant un court-circuit. Oui, d'accord. Je ne suis pas sûr que ça marchera. Oui, mais dépêchez-vous. Mettez-vous à l'abri. T'as compris? Oui. J'espère que le courant sera assez fort pour que cette chose soit détruite totalement. Oui, allez vous abriter tous dans la cave. Nous agirons dans 60 secondes. Tous dans la cave! Ça y est! Voilà les armes. Reste au téléphone. Bien. Lieutenant, je suis prêt, j'ai mon arme et elle est chargée. Surtout ne rate pas le poteau. Vous y êtes ? Envoyez tous les phares ! Reste 15 secondes. Ils ne sont plus au rez-de-chaussée. Je crois qu'on peut y aller, lieutenant. Ne quitte pas le téléphone, surtout. Vas-y, Jim. Mais faites quelque chose, lieutenant! Ne restez pas là, regardez! Calme-toi. L'incendie s'est déclaré. Comment vas-tu faire pour l'éteindre? C'est sans solution, l'eau glissera. Sans atteindre le feu. Je crains qu'il ne manque d'oxygène là-dessous. Ils ne pourront pas tenir plus de 10 minutes. C'est intelligent d'être descendu ici. On est pris là-dedans comme des rats. Il y a une odeur de brûlé. On est bloqués de partout. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun moyen de sortir? Il y avait les fenêtres, mais... T'es un homme, non? Alors chut. Je veux aller au frais. On ira tout à l'heure. Écoute-moi, Anne, je voudrais te dire que je... T'inquiète pas, ça ira. Maintenant, Danny, il est très tard. Alors tu vas essayer de dormir. Il faut que tu sois bien sage. Hein? Allez, mets ta tête sur l'épaule de Steve. Voilà la sale bête. Attends, viens un peu ici. Donnez-moi cet extincteur, s'il vous plaît.
CO2. Oui, c'est ça. C'est glacé. Voilà pourquoi il n'est pas venu dans la chambre froide. C'est le froid qui l'a fait reculer. Est-ce que vous n'avez pas d'autre extincteur, Charles? Il est presque vide, le téléphone. Hé, hey, Dave! Dave, est-ce que tu entends? Il n'y a personne au téléphone! Dave, écoute-moi! Le monstre craint le froid, il faut des extincteurs au CO2! Dave! Il a l'air de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, j'en sais rien, silence! Quoi. Au CO2? Phil! Est-ce que tu as des extincteurs au CO2? Non, pas beaucoup, j'ai plutôt de l'acide carbonique. Va vite chercher les extincteurs au CO2 et projette-les sur les fenêtres de la cave. Quoi? Ne cherche pas à comprendre, fais-le et envoie tous les hommes réquisitionner tous les extincteurs de la ville. Mais seulement ceux qui sont au CO2. Ramène-en le plus que tu pourras, dépêche-toi. J'y vais. On peut peut-être s'en occuper aussi, alors on va demander à tous les jeunes qu'on connaît. Hein. Ouais, maintenant, je sais où trouver une vingtaine d'extincteurs. Bon, où sont-ils? Ils appartiennent au collège. Qui vient avec moi? Nous, on peut vous emmener, monsieur. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Rassurez-la. Venez par ici, monsieur Martin. Venez. Merci. Vite, vite. Il n'y en a presque plus. Dave! 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 Notre extincteur est vide. Dépêche-toi, est-ce que tu entends? Il faut du CO2. Arrête-toi, c'est là. Dépêchons. C'est fermé. Ah, voilà, monsieur Martin. Écartez-vous. Vous coupez pas. Allez. Allez, chanson. Reste pas là, toi. Nous n'en avons trouvé que 4 ou 5, et il t'en faut combien? Ce n'est pas assez, hélas. Je ne peux rien faire si tu n'en trouves pas d'autres. Bon, ben, je vais chercher. Dave, le colonel Spalding nous branchera avec Washington. Quand je lui ai dit que tu voulais la Maison Blanche, il a cru que je plaisantais. Nous n'avons plus de courant, c'est pourquoi nous ne pouvons rien faire pour la réfrigération. Pour le moment, elle est annulée, mais nous ne pourrons vivre que lorsqu'elle sera totalement congelée. Je sais, mais... Non, elle est trop grande, il est impossible d'arriver à la couper en morceaux. Non, général, une bombe la répandrait en parcelles sur le pays. Cette masse inconnue a déjà assimilé plus de 20 ou 30 personnes depuis le début de la nuit en cours. Oui, pour l'instant, elle est gelée, mais le soleil va bientôt se lever. Je crois que la solution est de nous envoyer le plus grand avion que l'armée possède afin de la transporter vers l'océan Arctique ou le pôle Nord et de la laisser tomber dans les glaces. De cette manière, jamais elle ne revivra. Oh, que je suis heureuse! Danny! Oh mon Dieu! Eve, tu l'as échappé. Anne, ma chérie! Bravo, Steve. Comment te sens-tu? Ça peut aller, je te remercie. Dave, je voudrais te remercier de nous avoir sortis de là. J'ai bien cru que tu y arriverais pas. Crois-moi, tu n'étais pas le seul. Et comment vas-tu faire pour t'en débarrasser? L'armée de l'air nous envoie un Globemaster dans 2 heures. Ils vont l'acheter dans l'océan Arctique. C'est la seule solution. Elle n'est pas morte? Non, je l'ai seulement. Elle vient d'un autre monde et nous ne savons pas comment la tuer. Souhaitons que l'Arctique reste gelé éternellement.